Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans l'émission 99 de Famille, Justice, Enfance, ex-Jaftamer avec Stéphane sur RLP 102.3 depuis Périgueux, l'émission d'études de la famille contemporaine et de la recomposition familiale du 21e siècle via la voix des pères. Nous aurons aujourd'hui la fin de l'entretien avec Maître Hamas, donc dans cette troisième partie où nous aurons avec lui une suite de questions-réponses courtes extrêmement intéressantes. Toujours sur le monde du placement, comment gérer son avocat, comment réagir dans telle ou telle situation. Et nous écouterons son avis extrêmement critique sur le monde de la justice des enfants. Ne ratez pas non plus en fin d'émission le retour de la chanson de la semaine avec Éternel, une énorme chanson d'amour pour un être aux petites mains. Nous aurons également la visite de Philippe Wessé, ex-cofondateur de la Grue Jaune, qui viendra nous parler plus tard d'ailleurs de la création de la Grue Bleue, qui vient de sortir son nouveau livre « L'hypothèse du père ». Mais tout d'abord, voici les actualités de la semaine, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Actualité donc, avec cette procédure contre le psychiatre expert Paul Bensoussan, le spécialiste français du concept d'aliénation parentale et du SAP, où nous apprenons que quatre associations attaquent cet expert et lui reprochent d'avoir recours à ce concept controversé. Il est absolument dramatique que la pression médiatique tente de faire croire qu'il n'est pas possible que l'un des parents manipule des enfants en bas âge contre l'autre parent et que ce concept n'existe pas. Nous en parlerons d'ailleurs dans les prochaines semaines avec Marc Juston, ex-président du tribunal de Tarascon, qui viendra nous parler notamment de cette problématique. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc RLP 102.3, aujourd'hui avec Philippe Wessé, qui vient de sortir son livre « L'hypothèse du père ». Philippe, vous allez bien ? Oui, merci. Oui, merci. Bonjour. Alors, Stéphane. Qu'est-ce que ce nouveau livre, là, qu'est-ce que c'est ? C'est un livre qui a plusieurs étages, c'est-à-dire que c'est d'abord un témoignage, le témoignage d'un combat personnel pour deux fratries donc, dont j'ai essayé d'avoir la garde, donc ça s'étale sur une trentaine d'années. Je développe tout ce qui s'est passé. Ensuite, c'est quand même aussi un manifeste, ce livre. C'est un manifeste pour l'égalité parentale, pour que cette déclinaison du principe républicain d'égalité émerge et soit respecté. Voilà, ce sont les deux. Or, c'est aussi évidemment un livre polémique qui dénonce les abus de confiance, disons, dont l'institution judiciaire se rend coupable. D'accord, très bien. Eh bien, écoute, nous laissons le temps aux auditeurs de se le procurer, de le lire. On peut le trouver sur Amazon, sur le site de la FNAC, un peu partout, je suppose. Oui, tout à fait. Donc, le titre, c'est « L'hypothèse du père ». Effectivement, le livre est bien référencé en ligne. Okay. Donc, on peut se le procurer soit chez un libraire, soit sur un site de librairie. Eh bien, tu viendras nous voir dans quelques semaines pour nous en parler. Oui, merci très beaucoup, bien. Stéphane. Merci oui, beaucoup. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Merci. Merci. Au revoir. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Donc, on va revenir à cette petite question. Comment on fait pour bien gérer son avocat lorsqu'on n'a pas forcément les moyens et des fortunes et qu'on ne connaît pas les procédés? Alors, donnez des conseils, s'il vous plaît, aux parents. Comment gère-t-on correctement un avocat dans cette matière? Il faut le relancer régulièrement. Il faut que les clients... Moi, je le dis à mes clients, je leur file mon portable. Et plus le client et l'avocat ont des rendez-vous réguliers, plus on travaille bien. Donc, c'est pas possible de pas jamais avoir l'avocat pendant 2 mois, par exemple, ça c'est pas possible. Alors, toutes les semaines, c'est parfois dans les dossiers chauds, mais il faut faire un point du dossier tous les 15 jours avec l'avocat. Voilà, c'est tout simple. Voilà, j'ai eu 2 droits de visite, ça s'est bien passé. Est-ce que vous pouvez faire un courrier voilà le courrier que j'ai fait à l'ANA des services sociaux. Faites-en aussi, demandez au juge. Il faut demander à votre avocat de faire de manière régulière des demandes d'ouverture de droit. Alors, pas n'importe quoi. Vous pouvez pas demander à votre avocat de dire rendez-moi mes enfants. Parce non, que. Je comprends, ça, il fait pas mais par contre, il faut lui dire régulièrement, demandez une ouverture de droit, est-ce que j'ai un week-end par mois? Ou si vous avez que 2 droits de visite par mois, demandez à ce que j'en ai toujours 2, mais que sur les 2, il y en a peut-être un 3e où j'ai une partie en libre. Faire avancer de manière régulière
le dossier. Votre avocat, dans tous les dossiers, il faut que tous les deux mois à peu près, on demande une petite avancée. Avoir une partie du droit de visite libre, qu'on puisse aller manger un hamburger avec le gamin à droite, ou aller pique-niquer dans un truc, ou aller voir la grand-mère pour aller bouffer de crêpes. Il faut demander, il faut intervenir régulièrement auprès de l'avocat pour qu'il fasse évoluer le dossier petit à petit. Il n'y a jamais d'évolution immédiate, de changement brutal en une seconde du dossier, il n'y en a pas. Ce qu'il faut faire, c'est faire des petites avancées. Il faut donc régulièrement stimuler l'avocat en disant, objectivement, faire un courrier, moi, les gens qui facturent à la page, moi, ils me font bien. Et objectivement, quand j'ai dirigé la commission des honoraires à Marseille, je suis contre. Moi, la facturation à la page, je veux bien pour les grandes entreprises, je veux bien, à la rigueur, oui. Mais bon, par rapport aux gens, on peut pas facturer à la page ou l'appel téléphonique. On doit pas avoir honte du pognon qu'on gagne. Donc, il faut par contre, s'il faut le solliciter régulièrement, pour qu'il y ait des petites avancées. Mais c'est à vous de le faire. Attention, parce que nous, on met des bips dans les ordinateurs. Maintenant, nous, on s'est un peu organisé, on met des bips. Mais tous ne le font pas, les bips. Donc, si lui ne le fait pas, c'est pas grave. C'est votre dossier, c'est votre enfant. Relancez-le vous. Il n'y a pas de honte. Okay. Et il faut le faire super régulièrement. Faites-le super. Plus vous allez le faire, plus il va faire des courriers, plus vous allez avancer. C'est pas la peine de faire de grands trucs. Les conclusions, par exemple, dans certains dossiers, il faut surtout pas les faire. Des conclusions en défense, pour une raison simple, c'est que si votre avocat fait son boulot correctement, c'est-à-dire qu'il a envoyé des dizaines de courriers au juge avant l'audience, donc il a déjà fait son boulot. Moi, je suis pas pour tout écrire selon les dossiers dans des conclusions avant, pas dans tous les dossiers, parce que parfois ça donne trop vos éléments de défense. Moi, je suis pour qu'ils aient en gros l'esprit de ce que je vais dire, mais la lettre non, pas toujours. Voilà, sauf à la cour d'appel quand il y a quelque chose à dire, là il faut conclure de manière tout à fait précise. L'avocat, vous devez l'avoir régulièrement. Si vous l'avez pas régulièrement, il peut pas travailler, c'est tout simple. Ok, petite série de questions simples, on va faire des réponses extrêmement synthétiques. Lorsque on n'a pas les moyens de se payer un avocat, y aller tout seul, bonne idée, mauvaise idée? Très mauvaise. Très mauvaise. Si on peut pas faire autrement? Non, il faut prendre un avocat à l'agir. Et avocat à l'AJ, on sait que lui, il enverra pas les 6 courriers par mois. Mais non, parce que là, on va créer des groupes d'avocats des parents qui vont être formés à ça. Vous êtes à Marseille, et puis c'est pour plus tard. Il va y en avoir dans tous les barreaux. D'accord, ok. Bon. Non. Dans tous les barreaux, des gens qui seront formés à ça. On va prendre des gens qui vont être formés à ça, qu'on va envoyer dans toutes les procédures. Là, pour l'instant, c'est pas le cas, mais avant la fin de l'année, ça sera le cas. C'est sûr. Il y aura des gens qui seront formés. On en forme des gens à la défense du droit de l'enfant ou du voyou dans la défense immédiate. On va former des gens qui seront là pour vous accueillir, étant entendu que la première audience, celle où on place, on a 25% de chance de gagner. Donc à ce moment-là, votre avocat, il a 25% de chance, pas plus. Donc selon les dossiers, on peut arrêter la procédure. Mais comme on n'a que 10 jours, ça va être compliqué. Mais bientôt, il y aura ça. Et de toutes les manières, il faut un avocat. Sans avocat, tout simplement pour faire un tampon. Comme vous n'avez aucun crédit, surtout au début, puisqu'il y a la présomption de culpabilité. Vous n'avez aucun crédit. Votre défense, personne ne vous croira. Il vous faut un avocat qui fait le tampon. Alors là, c'est aussi la question à laquelle je voulais venir après. On voit arriver quelqu'un qui dit « Vous battez votre enfant, vous arrivez avec des certificats et tout, ce n'est pas vrai, je ne bats pas l'enfant. » Comment on peut faire lorsque les services mettent des choses avec des écritures fausses? C'est un faux en écriture publique. Comment on fait? Alors, je ne garantis pas le résultat. Là, immédiatement, l'intégralité de vos amis font une attestation de moralité sur l'imprimé CERFA en disant que vous battez pas. Vous faites immédiatement, faites copie intégrale du livret de santé de l'enfant, parce que s'il y avait des coups, ça serait écrit. Vous faites également sortir toutes les notes de l'enfant, parce que les enfants qui sont battus, ils sont des chefs scolaires. C'est déjà des indices qui sont concordants. Ça, ce sont déjà des indices concordants. Si nulle part... Oui, on fait tout ça, puis on les envoie où? On fait quoi? Alors, ça, vous faites un dossier entier que vous remettez avant l'audience. C'est-à-dire que pour que ça soit bien fait, il faut que votre dossier, si on vous dit l'audience elle est le 7 mars et que vous êtes le 1er mars, il faut qu'il l'ait le 2 mars. Oui, il faut que le juge le lise avant. Si vous arrivez à l'audience, le lit, mais les services sociaux ne le lisent pas. Et en attendant, il reste encore des affirmations fausses ou des éléments qui sont faux dans les rapports de l'ASE. Comment fait-on pour dire que ces gens-là... Dans l'immédiateté, on ne pourra pas. D'accord. Et après l'audience? Après l'audience, là, vous ferez votre boulot, on peut déposer des plaintes, il y a plein de trucs à faire. Oui, lesquels? Ah ben après, il y a des plaintes. D'accord, on fait des plaintes pour écriture en faux public et pour dénonciation calomnieuse. Mais là, par contre, pareil, pas seul. Ça ne peut pas être seul. D'accord. Vous ne pouvez pas le faire, vous. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance.
Comment on fait dans les petites juridictions quand tout le monde se connaît, que ça ronronne et que l'avocat n'ira pas au clash? C'est là, on est emmerdé. Il faut prendre un avocat dans un autre barreau. Oui. Par exemple, là, je vous donne un exemple. Amende. Je crois qu'il y a 12 avocats. Ben, ils n'iront pas contre le juge. Ils vont y aller. Notre boulot, c'est d'y aller contre. C'est d'y aller contre. Alors, c'est bizarre parce que c'est pas contre le juge, ils vont contre les juges, hein, parce qu'au pénal, vous défendez les trafiquants de drogue, on rentre dans le juge, de la même manière, et avec violence, hein, croyez-moi. Hein. L'embêtant, c'est qu'ils osent pas souvent aller contre l'ASE. C'est pas contre le juge, objectivement, on s'en fout, on a l'habitude, on est formé à ça. Là où on n'est pas formé, c'est à lutter contre certaines administrations. Ok. Envoyer un recommandé de présence du tribunal pour dire qu'un juge s'est mal comporté. Bonne idée, mauvaise idée ? Très mauvaise. Très mauvaise. C'est à votre avocat de le faire. Si vous le faites vous, ils vont penser que vous êtes défaillant et que c'est votre douleur qui vous préoccupe et ils vont pas la lire. Ils vont la classer verticalement et au contraire, ça va vous desservir. D'accord. Avez-vous connaissance de cas où l'ASE demande de cesser de s'occuper d'un enfant ou alors comme... Oui. Oui, ah, oui, très souvent. Très souvent, d'accord, parce que moi j'en ai voilà, pas plus vu que très souvent. D'accord. Plus que très souvent. Parfois, quand l'enfant est vraiment en rébellion, alors je vous donne un exemple type, hein, le gamin qui va faire 10 fugues, et quand eux vont être dans les cordes, c'est-à-dire quand il va faire une fugue, on va pas le trouver pendant 4 ou 5 jours, là ils vont dire qu'ils vont constater l'échec de la mesure et ils vont rendre l'enfant. Bon. C'est assez régulier, hein. Il y a des enfants qui se mettent à fuguer, et à ce moment-là, eux sont dépassés parce qu'ils sont responsables. Donc en fait, on va résumer, il y a des gens non assermentés, mal formés qui viennent, qui disent qu'on est défaillant, et à ce compte-là, il y a un accord tacite, donc moi je dis qu'il y a quelque part un défaut d'impartialité du juge qui écoute systématiquement les services sociaux, totalement, quoi qu'il se passe, et donc la seule solution qu'on a, c'est d'essayer de plaire, de faire de la séduction à ces services pour qu'ils laissent nos enfants. Parce que je veux dire, si on ne se soumet pas et qu'on râle, on les perd. Alors, si vous râlez, vous êtes mort. Ben voilà, c'est ça c'est en fait. C'est à votre avocat de râler. Non, mais vous pouvez dire que vous êtes en opposition, et c'est à votre avocat de taper sur la table. Vous, vous dites « je suis pas d'accord » avec des formes, et votre avocat, lui, n'en prend aucune. Nous, on ne doit prendre aucune forme. Nous, on doit rentrer dedans. Voilà. C'est comme au pénal. Hein. Moi, le juge qui refuse de me mettre en liberté un gamin, il entend ma voix. Il entend ma voix, et violemment. Hein. Donc, on doit faire avec les parents ce que l'on fait avec les juges en matière pénale. Hein. Par contre, vous, vous ne pouvez pas. Il n'y a aucun détenu qui va insulter le juge. D'accord. Donc, nous, en tant que parents, on ne peut pas envoyer un recommandé à la DPMI ou alors au président du département pour lui dire que c'est le bazar. Comme par exemple, les gens qui vont s'enchaîner devant le tribunal, qui vont faire des grèves de la faim, ça dessert le dossier. Je sais pas. Par exemple, j'ai un exemple, j'ai une juge qui n'exerce plus, hein, et j'ai deux experts qui n'exercent plus non plus. Hein, et puis, ils ont été reçus par le président du tribunal, et visiblement. Alors, je vous donne un exemple. Vous pouvez écrire 40 lettres à un juge en disant vous faites rien, il va rien se passer. Si votre avocat, lui, en fait une, comme on est auxiliaire de justice, quand on écrit et qu'on est avocat, on a un titre. Quand on écrit, notre plainte, elle va tacher le dossier du juge. Imaginez un magistrat, vous lui dites, vous écrivez au président du tribunal en disant « Madame Machin a dit à l'audience ça ou elle a fait ça et c'est inacceptable, il faut que ça soit étoffé par des preuves. Hein. » À ce moment-là, elle va avoir une tache sur son CV et elle n'aura plus d'avancement. Elle va être bloquée, ils sont notés à points, comme les fonctionnaires. Et pour avoir des points pour la retraite, pour avancer dans leur métier, ils ne doivent pas avoir de plainte. La plainte de l'avocat, elle compte. Alors que les 40 lettres de Madame Machin qui subit le harcèlement du magistrat ou le mauvais comportement des services, tout le monde va le classer verticalement. Alors que la lettre de l'avocat, ça fait tâche. Ça fait tâche. Ils sont obligés, c'est une vraie tâche. Mais c'est comme ça que moi j'ai des parents qui dorment dans leur voiture parce qu'ils ont vendu la maison, ils ont tout vendu pour payer des frais, ils montent à 80, 90 000 et puis alors là, voilà, 90 000, bon, c'est, alors moi je le dis, j'ai dirigé la commission des honoraires à Marseille, donc c'est pareil partout. Un dossier de juge pour enfants ne pouvait pas passer 5 000 euros. Voilà, c'est tout simple. C'est pas possible. Voilà. Après, il y a les six. Moi, c'est différent parce que comme je présente dans les 176 tribunaux, quand je vais plaider à Douai, il faut qu'ils me payent le train et l'hôtel. Malheureux, mais ils sont obligés de faire face à ça. Mais en honoraires, au-dessus de 4000, on est déjà dans des frais qui sont un peu compliqués et qui se justifient peut-être pas trop. Au-dessus de 10 000 euros, c'est impossible. Celui qui paye plus de 10 000 euros, c'est fait voler 10 000 euros. C'est sympa. Oui, parfois il y a des auditions, il y a un JAF, il y a des JDE, ça monte vite. Hein. Excusez-moi. Excusez-moi, je dis les choses un peu. Moi, je pense qu'il faut faire des forfaits et que on peut pas. Il y a trop de travail. Si vous facturez à l'acte, les gens ils vont être ruinés. C'est pas possible. Ouais. Je vous donne un exemple. J'ai une nana que j'ai depuis un an à Béziers.
On a compté les courriers que j'ai fait au juge, j'en ai fait 96. Ah ben je suis allé à 6 audiences, je lui ai rendu ses enfants. Si vous faites 250€ de l'heure pour chaque acte, vous ne pourrez pas... Bon, c'est pas acceptable. Donc, mais de toute façon, la règle, quand vous allez chez l'avocat le premier jour, il doit vous dire à l'euro près ce que ça coûte. À l'euro près, hein, c'est un devis. Hein. À l'euro près ce que ça coûte. D'abord, il doit vous dire ce qu'il va faire pour vous. À peu près combien de temps ça peut durer. À l'euro près ce que ça coûte. Et s'il y a des frais qui ne sont pas évaluables tout de suite, comme les frais de déplacement, il doit vous dire combien ça coûte le déplacement. Voilà. Si vous avez passé trois éléments-là, il faut changer d'avocat. D'accord. Voilà, c'est tout ça. RLP. Radio Libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Dernière question, maître. Est-ce que vous comprenez les gens qui abandonnent? Oui. Oui. Là, par exemple, j'ai un couple à Biarritz. Ils n'en peuvent plus. Ils disent, ça fait 8 ans qu'on leur a pris leurs enfants. Moi, je les connais que depuis 5 mois. Ils disent, ils sont venus, ils m'ont dit, bon, on n'y croit plus. Et pourquoi ils disent on n'y croit plus? Parce que l'enfant a créé un lien tel avec la famille d'accueil qu'il ne veut plus les voir. Et là, ils sont brisés. Oui, puis on a des gens médiocres qui viennent nous dire ce qu'il faut qu'on fasse, parfois qui sont très hautains envers les parents. Enfin, je dis nous, mais bon, parce que je parle au nom des gens, parfois d'associations. Ils sont très durs. Mais très ils sont extrêmement durs. Parfois, on va le dire, ils ne sont pas forcément au niveau. Alors, ils nous reprochent de protester. En fait, ils veulent qu'on se soumette. Il faut qu'on soit gentil avec eux. C'est extrêmement difficile. Et puis sur la durée. Et moi, ce que je dis aux gens, j'en vois dépérir, j'en vois mourir, puis j'en vois qui arrête. Il y en a qui arrêtent. Moi, ce que je dis aux parents, c'est qu'il y a plein d'associations bienveillantes sur Internet, sur Facebook notamment, il y a plein de groupes de parents. Dès que vous voyez qu'il y a des insultes, des injures, ne restez pas. Il y en a plein qui sont bienveillants, qui s'aident. Moi, souvent, aux audiences, il y a des mamans qui viennent, elles sont 3 ou 4, en disant « Tiens, on est là ». Notamment dans le Gers, il y a une association très bien, mais sur Internet, il y a 2-3, sur Facebook notamment, il y a 2-3 associations, et ils s'aident, ils se donnent des conseils, ils se donnent des tuyaux, ils se donnent des tuyaux de noms d'experts, ils se donnent des noms de pédiatres. Là, on peut aller. Là où il faut pas aller, c'est chez les dingues, et on le sait tout de suite, les dingues, dès qu'il y a écrit lutte contre les francs-maçons, la pédocritalité, les réseaux pédophiles, partez, c'est des dingues. Ils vous donnent des conseils dangereux, ils vous donnent des conseils qui vous font du mal. Il faut pas rester seul dans ce combat, il faut s'aider avec des assos. Il y a plein d'assos bien, il y a plein de gens qui sont dans la bienveillance et qui aident. Et voilà. Et après, quand il y a sur place un avocat bien, bah, il faut tous aller chez filer son nom, dire quand on vous dit bah, est-ce qu'il y a quelqu'un de bien à Roanne, bah, il faut aller chez cette personne à Roanne. Il faut se donner des conseils, il faut s'entraider. Je pense moi qu'il faut pas rester seul, et surtout dès le début, au moment où ça arrive chez vous, le souci des services sociaux, il faut consulter un psychiatre ou un psychologue. Il faut dès le début dire j'ai mis en place le travail. Ce qu'on vous demande, c'est de travailler sur votre parentalité. Il faut dès le début pouvoir justifier que quoi qu'on vous reproche, vous travaillez déjà dessus. Dès le début, dire au moment où ils viennent vous dire « Oh là là, vous en occupez bien », quand ils arrivent les deux là chez vous pour regarder si c'est bien, à ce moment-là, vous prenez rendez-vous avec un psychiatre. C'est le réflexe, c'est le début du mur qui va les éloigner. C'est le début de la défense, c'est que vous disiez « Vous êtes venu, donc immédiatement, je suis allé travailler sur ce que vous m'objectez ». Est-ce que vous avez eu des cas d'accusation par l'enfant, où l'enfant, à demande d'un des deux parents, se mettait à accuser l'autre de manière absolument irréelle? Oui. Et comment on fait quand c'est comme ça? Alors, ce que les gens comprennent pas, c'est que l'enfant, par exemple l'enfant qui dit « J'ai été touché sexuellement par mon papa », ça arrive, mais alors j'en ai des centaines de dossiers comme ça, des centaines. Je n'ai pas 10, j'en ai des centaines. Mmh. Ou la maman qui dit, il est revenu avec le cucu tout rouge, le pampan tout irrité. Bon, souvent l'enfant, quand il a à dire quelque chose, il met dans son histoire soit le père, soit la mère, soit l'oncle, soit le grand-père. C'est pour ça qu'il y a énormément de pères qui sont accusés de pédophilie, de grands-pères accusés de pédophilie. Mais après avoir fait des formations, parce que je suis allé me braquer un wagon de formation en psychologie là-dessus, l'enfant, systématiquement, quand il raconte quelque chose, il met dans l'histoire son parent le plus proche. Et c'est documenté par les livres de psycho. C'est-à-dire que l'enfant, systématiquement, accuse le grand-père, et il l'accuse pas, il raconte une histoire. Quand on jouait ensemble, quand on était gamin, avec les Action Joe, les Action Man, les filles avec les Barbie, tout ça, on disait, c'est moi le héros. L'enfant projette avec quelqu'un qui le rassure. Et c'est pour ça qu'ils accusent souvent les parents. Et ce qui est incompréhensible, c'est que ça, qu'on sait au bout de 10 heures de formation psycho, les gens des services sociaux qui sont des incultes en psycho, ils le savent pas. Comme par exemple, dans un dossier sur 10, ils disent « la petite fille a des comportements sexualisés ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle se masturbe. Seulement, ce que ces gens ne savent pas et qui est inacceptable, c'est que quand on lit la psycho, quand on fait du travail en psycho, on dit « le matériel pour jouir » d'une petite fille, il arrive à 12 ans, elle jouit pas une petite fille, ça ne marche pas. Quand une petite fille de 2, 3, 4 ans se masturbe, elle se masturbe pas.
C'est comme quand elle se suce son pouce. C'est comme quand elle se caresse l'oreille. C'est comme quand elle se met son doudou sous le nez. C'est un acte pour se rassurer. Ce n'est pas de la sexualité. Et c'est là où ces gens qui sont pervers, crétins, immondes, par leur inculture et qui ont du pouvoir, ils confondent un acte par lequel l'enfant se rassure avec un acte sexuel, parce qu'ils n'ont pas les tenants, parce que ce sont des incapables. Il est là, le problème. Oui, mais comment fait-on pour se protéger de l'arrivée de personnes incapables ? Vous prenez un avocat qui sait, et qui vient avec les textes, et qui leur dit, voilà, d'abord tu vas aller apprendre de la matière dont tu ne connais pas les mots, et quand tu sauras, tu diras. C'est à votre avocat à taper sur la table en disant, voilà, au moins que j'ai accès à des gens qui ont de droits, de culture, et vous faites faire ce qu'on fait faire nous, des rapports par des psychiatres qui expliquent qu'un enfant qui se masturbe, c'est comme si il y a des petites filles qui se détruisent l'intérieur du nombril à force de se caresser le nombril. Elles se le déforment pas, mais elles se l'abîment. C'est comme les enfants qui ont les dents en avant, ils les ont les dents en avant, parce qu'ils se sucent le pouce, ils se sucent le pouce. Donc le père qui est accusé de violence, là, par son enfant... Alors il est accusé de violence pour rien. Ben oui. Mais nous, maintenant, on a trouvé toute la documentation qui va bien, et on la balance en juge en disant, voilà, il faut qu'ils apprennent. Hein, voilà. Moi, je commence comme ça. Vous ne connaissez pas cette matière, voilà la matière. Voilà, c'est ça dont nous devons parler. Donc, vos actes sexualisés, vous irez les reprocher à d'autres. Maintenant, l'enfant n'est sexualisé que quand il sexualise vers l'autre. La petite fille qui va tenter de vous masturber quand vous êtes assise, elle a un souci. Tous les actes de l'enfant sur soi-même ou sur un autre enfant, c'est de la découverte ou pour se rassurer. L'acte devient pervers lorsque l'enfant va aller tenter de sucer le zizi du monsieur, mettre la main dans la culotte de la petite fille. Ouais, c'est qu'il a été confronté à quelque chose qui ne vient pas de lui, en fait. Il y a une pollution par un adulte, ouais. À ce moment-là, il y a un problème sexualisé. Tous les autres cas, ça représente des centaines de dossiers dans mon cabinet. Hein. C'est pas un, c'est des centaines de dossiers. Maître Hamas, vous nous décrivez quand même un secteur lié avec beaucoup d'incompétence, à la fois beaucoup de pouvoir. Ça fait quand même extrêmement peur. Ah ben c'est terrifiant. Vous savez qu'avec ma femme, souvent le soir, on se met des... L'angoisse est telle parce que les gens viennent pleurer toute la journée dans notre bureau, hein, du matin au soir. Vous devez en entendre, oui, bien sûr. Donc, le soir, on fait... D'abord, on parle jamais de dossier et on essaie de faire le maximum de trucs, de sortir, de voir des films drôles, de sortir de cette tristesse qui nous atteint depuis 3 ans. Parce que les gens, ils viennent pas vous raconter leur histoire et c'est pas neutre. Ouais, bien sûr. C'est pas neutre. C'est-à-dire, ce qu'on entend, c'est pas neutre. Ce qu'on entend est révoltant. Non, mais quand on fait ça, c'est qu'on aime un petit peu les gens. Et puis, on nage dans une bouche d'égout on récupère des embruns. Oui. Et alors, moi, j'étais pas fait pour ça, objectivement. Je suis un avocat pénal et en droit des affaires. De toute ma vie, j'ai eu des soucis, déjà. Mais j'ai pas ce que j'ai depuis 3 ans. Vous vous rendez compte qu'on a des retours qui nous viennent du Québec, d'Allemagne, de Suisse, qui disent qu'on a un problème en Occident, je dis bien la civilisation occidentale, de placement inutile des pouvoirs accordés à cette administration. Enfin, ce n'est pas que français. Le problème, c'est perso, je pense que ça vient de l'administration, moi. Hein. C'est une administration qui est défaillante. Hein. C'est pas une volonté de placer les enfants. Hein. C'est qu'il y a une volonté de détruire la famille traditionnelle, peut-être, hein, qui, l'affaiblissement de la position du père, la destruction de la famille. C'est pire que ça. Des intellectuels qui décrivent ça. C'est-à-dire qu'on baigne dans maintenant MeToo. Du coup, les pères, il y a une présomption de culpabilité, quoi qu'on essaie. Et puis, les gens nous jugent. Enfin, vous voyez, sur Internet, les gens vous jugent en 3 secondes. Vous avez dit un truc, on va vous insulter. Comme on peut juger tout le monde, les juges font pareil. Hein. Les juges, ils sont que des gens. Hein. Et les services sociaux, c'est pire. Parce qu'ils n'ont pas été formés à avoir le recul. Tout simple. Nous, on a été formés à avoir du recul. Parfois, les gens, ils nous insultent. On a l'habitude. Quand on perd un dossier en correctionnel que tu vives en prison, on se fait bien que c'est pas facile à dire, tu vas manger 3 ans de prison. On est formés à ça. C'est-à-dire, on nous forme. On est formé à accueillir la souffrance. On a des cours pour ça, pour accueillir, pour dire à un type, écoute, maintenant tu vas te manger 3 ans. On est formé à ça, à annoncer, à préparer, à expliquer comment on en sort. Eux non, c'est open bar. Voilà, monsieur, on vous prend votre enfant, vous êtes défaillant. Point. L'IGAS, ça fonctionne, c'est vraiment une inspection. Alors générale, écoutez, pour l'instant, c'est ma légion d'honneur, je le dis. Moi, je suis rentré violemment en conflit avec les services sociaux à Marseille, notamment à Aubagne, notamment une femme, qui est pour moi, qui est la négation de sa profession. Face à plusieurs dossiers où vraiment j'ai vu des choses qui n'étaient pas acceptables, j'ai saisi l'administration et en ce moment, à Marseille, il y a l'IGAS qui inspecte la zone des Bouches-du-Rhône. Et je suis content de ça. Et il va en ressortir des horreurs. Et comment on fait pour les appeler dans nos départements à nous, là? À vous pouvez écrire 7000 lettres, ça servira à rien. Il a fallu aller voir un wagon de monde pour que ça parte. C'est un combat. Vous pouvez écrire tant que vous voulez, ça marchera pas. Il faut faire beaucoup plus.
Beaucoup plus. Il faut toucher tous les pouvoirs politiques qu'on peut. Il faut étoffer vos demandes, un wagon de dossiers concordants en disant, regardez, ça c'est concordant, ça marche pas. Et si vous n'en avez que deux, ça suffit pas. Il faut emmener 30, 40 trucs en disant, voilà, la preuve que ça marche pas, elle est là. Voilà. Mais Maître Hamas, je remercie beaucoup. C'est moi. N'hésitez pas, si vous avez l'actualité, des choses, des projets, des lois et autres, de nous faire un petit flash, même rapide. On en sera très heureux. J'ai vos coordonnées et je serai très content. En tout cas, merci de l'accueil que vous m'avez fait. Merci de relayer. Moi, je suis certain qu'on a déjà le pied dans la porte. Ça ne va plus durer longtemps maintenant. Eh bien, que Dieu vous entende, maître. Si, mais voilà. Écoute, j'ai la prétention de croire qu'il m'écoute un peu. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. Si je devais choisir une drogue, ce serait toi. Si je devais tenir un bras, ce serait le tien. Plus le temps passe et moins je me vois finir loin de toi. S'il te plaît, dis-le-moi, tu veux mourir près de moi. T'es le plus beau de tous mes livres. Quand tes petites mains me délivrent de ce mal qui m'habite, c'est dans ton petit cœur que je m'abrite. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je te le jure devant l'éternel. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je te le jure devant l'éternel. À quoi servent les promesses? Avec toi je vis déjà tous mes rêves. Et même si tu deviens encombrante, dans mon cœur j'aurai toujours de faire de la place. Ils ont dit que la limite c'est le ciel, mais je traverserai le ciel pour te retrouver. Comme auparavant je traversais la mer. Si t'as les yeux qui piquent, que la pluie tombe sur tes joues, dis-toi que c'est rien du tout, ça passera à tous les coups. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je te le jure devant l'éternel. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. Je t'aime d'un amour infernal. Je te le jure devant l'éternel. Éternel, j'aimerais que tout ça soit éternel. J't'aime d'un amour infernal. J'te le jure devant l'éternel. Thank you.